Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sora. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un jeu que j'attends depuis un petit moment. Il s'agit de Mario Odyssey. Je vais enlever cette casquette parce que regardez mes cheveux quoi, c'est affreux. Elle est vraiment trop belle. Nouvelle vidéo du coup sur un jeu que j'attends depuis des mois et des mois, Mario Odyssey. Il est enfin sorti, il est enfin là. Le jeu a l'air vraiment trop cool, plein d'univers différents, plein d'atmosphères et tout. Enfin, ça a l'air vraiment génial. Du coup, je vous lance l'intro, il faut absolument que je joue à ce jeu, je suis trop impatient, je ne peux plus attendre. C'est parti. Ok, c'est bon les amis, au-dessus du château de Peach. On va voir la petite cinématique des familles. Le jeu est trop beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Yeah. Je voulais cette cinématique quand même, hein. Ça me semblait plutôt cool à regarder. Elle est tellement belle. Le petit chapeau. Ah, il perd son chapeau. Ah, d'accord, non. Ça s'appelle se faire stopper net. Oh, même son diadème, il est vivant. Génial. Oh my god, Mario est mort. Je vais épouser Peach. Tu es jaloux, Mario? Cette histoire à chaque fois, elle se fait enlever tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment, faire quelque chose, quoi. Engage des gardes du corps, mets-toi dans une base militaire, fais quelque chose, mais... Et du coup, c'est comme ça que... Oh, la casquette de Mario! Et du coup, c'est comme ça que ça commence. Et un fantôme arrive. Et justement, récupère la petite casquette. Et nous y voilà. Oh, c'est méga glauque qu'on est. C'est absolument tout noir. Regardez aux alentours. Mais il est trop mignon, ce petit fantôme. Est-ce qu'on peut l'appeler Bobby? Ok, je saute. Non mais reviens, t'as ma casquette. T'as ma casquette, reviens, c'est toi en plus qui est venu me voir. Mais, attends, attends. C'est trop stylé, la manière qu'il a de courir et tout, c'est trop trop cool. Là, qu'est-ce qui se passe si je les touche? Je me fais taper ou pas? Non. Ah, je peux les... D'accord, je peux récupérer des pièces. Eh ben, on commence, hein. Allez, demain... Oh, il y a d'autres fantômes. D'où ce qu'ils en sont... Ah d'accord, on est vraiment au pays des fantômes en fait. C'est trop stylé. D'accord. Je pensais qu'on était vraiment apparu dans un espèce de troupeau, mais non, dans une espèce de pays des fantômes. Mais n'aie pas peur, Bobby. Ça va? T'as joliment morflé, hein. Ouais, j'avoue, je me suis pris une jolie droite, hein. Ce lourdeau monstre Bowser s'en est aussi pris à notre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. Ah, et la petite sœur, est-ce qu'elle n'est pas dans le diadème, justement? Bah, c'est ça. C'est ça. Génial. Ma calotte n'a fait ni une ni deux. Je me suis rué vers un vaisseau pour poursuivre cette brute de monstre. Mais il n'y en a plus un seul en état de voler. Et c'est là qu'on intervient. Cela dit, il doit bien rester un vieux rafion encore utilisable dans le pays voisin. Je pourrais m'y rendre depuis le sommet de cette tour, mais les acolytes du monstre ne me laisseront pas passer. Mais on est là, nous, mon gars, on est là, Bobby. Dis-moi, on est dans la même galère, toi et moi, non? Ensemble, je suis sûr qu'on arrivera à sauver nos deux demoiselles. C'est trop mignon, les petites images, là. Ah oui, je suis un gamin. Je suis comme un gosse, hein. Et ouais, t'as plus ton chapeau, mon pote. Et hop, là, transformation. Bah oui, là, ça va pas, là. Bah non, on n'est pas à la même taille, mec. Bobby, fais un effort. Peut-être comme ça? Ah ah! Yes! C'est trop... C'est vraiment trop stylé. J'adore cette idée. Yeah! Capi, il s'appelle Capi! Ouais, Bobby, Capi, on n'est pas à ça près, hein. Et j'ai la même! J'ai la même! Et du coup, c'est parti. Alors, essaie de me lancer avec Y. Hop, je te lance comme ça, et si je reste... Oh!
C'est quoi? Ah d'accord. Genre si je te mets là-dessus, ça allume la lumière. Je peux faire plein de choses avec ce chapeau en fait, hein. Et si je fais les quatre lumières, ça fait quelque chose ou pas? Absolument pas. Si je fais ça par exemple là-dessus, je peux récupérer ce qu'il y a derrière. Yes! C'est vraiment... Le jeu a l'air vraiment cool les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air vraiment cool. Alors à la base, je voulais faire un let's play sur ce jeu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en faire un. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez un. Je verrai un petit peu comment la vidéo vous plaît. Si elle vous plaît beaucoup, et bah écoutez, on continuera. Sinon au pire, je ferai le jeu de mon côté. Et de temps en temps, je ferai des petits niveaux par-ci par-là dans différents mondes. Mais le jeu, je le trouvais super cool, super coloré, vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis, et je verrai, j'y réfléchirai. Il y a pas mal de choses à casser, donc ça je casse tout ça, on récupère. Là il y a forcément un truc caché derrière. Oh, c'est beau ça, la YouTube monnaie. Ça c'est bon ça, voilà, ça ça fait plaisir. La YouTube monnaie était donc cachée ici. Bon, c'est bien mignon de casser des caisses, etc. Mais moi je veux me taper. Je veux me taper. Alors comment est-ce qu'on fait? Et du coup, je viens d'activer un truc. J'ai pas fait exprès, je viens d'activer un truc. Et c'est le pont. Waouh. Allez, on va se taper, c'est parti, let's go. Hop, fonce. On dirait Naruto. Quand il court comme ça, on dirait Naruto, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Oh, c'est quoi ces petites bêtes? Si je fais ça... Ah, je peux pas encore les posséder parce que je sais qu'à un moment, on pourra les posséder. Mais je crois que pour l'instant, on peut pas. Oh, je transforme les fleurs, très très bien. Et j'ai un cœur, yes. Ok, bah c'est parti, let's go, on va dans la porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? À l'intérieur de la chapitour. Mais c'est trop stylé. Franchement, c'est vraiment cool parce que ça change complètement des Mario de base. Et c'est vraiment super joli. Il y a plein de couleurs, il y a plein de choses à faire. C'est vraiment stylé. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Avec des cuisses de grenouille, on pourrait sauter plus haut. Mais moi, je veux bien, mais comment on fait pour... Oh, mais oui! What? Mais c'est excellent! C'est magnifique, grenouille! Et du coup, on est dans la grenouille. Mais c'est géant. Franchement, c'est géant. Alors, du coup. Ça, c'est bruit. Ah, tu parles de grenouille. Cette tête avec sa moustache. Mario, c'était chapimorphosé en grenouille. Et du coup, on est grave bien comme. Donc là, c'est un turbo. Ok, donc là, je peux faire un turbo. Et là, je peux sauter. Oh, mais c'est excellent. Mais j'adore. Hop, on récupère ça. On peut re-sauter. Là, on se met juste là. Hop, là. Et est-ce que je peux défoncer des gens comme ça? Ah, d'accord. Donc je peux sauter sur eux. C'est méga galère parce que je fais des sauts de 4 mètres. Hop, c'est bon. Là-bas, j'ai mes petits potes. Écoutez, on va passer par là. Je vois qu'il y a pas mal de petits monstres. Est-ce que je peux pas. Genre, je peux pas les posséder, eux? J'aimerais trop être un petit champignon comme ça, moi. Voilà. On va récupérer les deux petites. Voilà. Nickel, un cœur. Hop, moi j'en ai déjà 3. Enfin, j'ai déjà mon maximum, donc ça me sert pas à grand chose. Mais dans le doute, là on a encore des petits anneaux. Et je pense qu'on va pas tarder, voilà, à arriver au checkpoint ou en tout cas à la moitié de la tour. Est-ce que je peux encore sauter? Non, je peux pas sauter. Et si je veux récupérer ma forme, j'appuie comme ça. Waouh, et si je veux récupérer? Mais c'est trop stylé! Ok, d'accord. Après, c'est vraiment automatique, ça se fait super rapidement. Là, il y a quoi à l'intérieur? Un cœur comme ça? Oh, lourd! Ok, j'ai 6 vies au lieu de 3, pas mal du tout. Ok, allez, c'est parti, on va pas y aller? Ah d'accord, faut que je tape là. Excusez-moi, hein. Je suis en apprentissage, faut me laisser le temps. Oh, nice! Hop, le petit drapeau, et c'est parti, on y va. Là, il y a du people, blablabla, bla, bla, bla. J'ai pas le temps, les gars, j'ai pas le temps. On passe par là. On récupère masse YouTube monnaie, encore, on se met bien. Et on arrive, à mon avis, au premier mini-boss. Non, c'est génial, ils sont dégueulasses. À part la petite à droite, elle est jolie. Mais les autres, ils sont dégueulasses, ils sont affreux. Le patron avait raison quand il disait qu'un moustachu à casquette viendrait se mettre dans nos pattes. Il avait raison. D'ailleurs, faites attention, vous ne devriez pas lui poser un lapin. J'adore l'humour. Qui on est, hein? Quelle question. Incline-toi devant les maîtres de la noce, ordonnateur du fastueux mariage. Découvre-toi devant les grands broudals. Ils sont dégueulasses. Maintenant qu'on a notre trésor, on n'a plus rien à faire ici à part une petite formalité. Te faire avaler ta casquette, Minus. Viens donc voir par ici. Je vous prends tous les quatre en même temps, les gars. Non, un par un. Un par un. Et en fait, ils ont tous un chapeau spécial, c'est énorme. Ok, donc qu'est-ce que je peux te défoncer? Faut que je te fasse virer tes 3 chapeaux, j'imagine. Sauf qu'à chaque fois que j'en enlève un, eh bien, à chaque fois, ça me rajoute de la difficulté. Hop, voilà. Toi, t'es vraiment nul, hein. Toi, t'es vraiment bidon. Quoique. Ok, doucement, les gars. Doucement, doucement, doucement. Non, c'est le premier boss. Techniquement, on devrait pas trop avoir de mal, j'espère. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Mario que je sais pas trop. Je dois le taper, d'accord. Et le dernier. Non, allez, viens. Voilà. Hop, et de 1. Et de 2. Et de 3. Le petit coup. Non, j'ai dit le petit coup. Voilà. C'est tout. Toi, t'es vraiment, vraiment nul, toi. Hein. Appelle-moi au suivant. Alors. J'ai même pas les suivants. Non. D'accord, les gars. Bah écoutez, vous êtes vraiment encore plus mauvais que je le pensais. Et c'est parti. On se transforme en arc électrique. C'est. Eh, mais c'est excellent. C'est le futur, ce jeu. Et du coup, ses frères et soeurs, ils se sont barrés. Genre vraiment au calme. Très bien. Super Mario Odyssey. Le jeu, en plus, est tellement beau. Ça fait vraiment trop plaisir. Et du coup, on va arriver dans la ville principale, dans un espèce de New York. Wow. Pays des chutes, territoire théropode. Non, on n'arrive pas encore dans le... Dans l'espèce de New York.
Ça a l'air galère, hein. J'aimerais pas être à ta place, mon pote. Hein. J'aimerais pas être à ta place, hein. C'est trop joli, les cascades, l'air. Mais regardez-moi ça, les amis. C'est magnifique. Et en plus, on arrive dans un endroit avec des dinosaures, je crois. Ça sent le dinosaure, là. Waouh, la première lune de puissance. Oh, il va y avoir des lunes de puissance. Ok. Piou, on y est enfin. Voici le pays des chutes. La chapimorphose sur une ligne électrique, ça retourne. Il devrait y avoir un vieux vaisseau dans les parages. Partons à sa recherche. Ok, c'est vraiment, vraiment cool. Donc là, on a le petit drapeau, le checkpoint. Hop, bassin de la cascade. Et il y a des espèces de petits trucs. Qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? D'accord, donc là, c'est un truc aléatoire. C'est un nuage, par exemple. Est-ce que je peux casser ça? Non, absolument pas. Je pense qu'on pourra les casser plus tard. Ça me paraît vraiment bizarre. Là, qu'est-ce que ça dit? Truc de voyage lancé autoguidé. Après avoir lancé votre chapeau, secouez à nouveau la manette pro pour effectuer un lancer autoguidé. Le chapeau se dirigera automatiquement vers la cible la plus proche. Très pratique pour corriger un lancer. Je lance et je secoue plein de fois. Ah mais c'est génial. Mais fallait le dire plus tôt les gars. Hop, est-ce que ça je peux le posséder? Attendez, je veux te posséder. Viens, je peux. Oh mais c'est génial, oh, c'est trop stylé. Alors attendez, hop, et j'incline, boum. Yes. Et du coup on peut casser la pierre avec la lune à l'intérieur. Si je fais ça, voilà, je vais en arrière. Et boum, la lune de puissance. Qu'est-ce que ça va faire du coup? Ça me fait penser à Harmony avec Mario Galaxy. Hop, on récupère. Nice, ça remplace les étoiles, je pense, du coup. Vous gagnez une lune, la première lune de puissance. Ok, j'imagine quand j'aurai 5 lunes, puisqu'il y a un petit tutut qui est apparu. Donc j'imagine quand j'aurai 5 lunes, ça fera quelque chose. Genre j'aurai un nouveau cœur ou quelque chose comme ça. Boum. Waouh. Et pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore, hein. Oh, il y a un nouveau lapin. D'accord, je vois. En fait, à chaque monde, je vais avoir un autre lapin. C'est un peu le tuto, je pense. Et elle a un espèce de chien doré. Ok, on a une lune de puissance. C'est pas la lune, il faut pas rêver. Mais on peut alimenter en énergie toutes sortes de trucs avec cette petite chose. D'accord. Bah écoute, je sais pas trop. On verra quand on avancera. Alors du coup, je vais quand même checker par là s'il y a pas des trucs que je peux récupérer. Dans l'eau, je check. Je sais pas trop ce que je peux trouver ou ce que je peux pas trouver. Je sais vraiment pas. Donc dans le doute, on check. Parce que regardez, là-bas il y a des trucs. Là-bas il y a des trucs intéressants. Qu'est-ce que c'est que ces trucs roses? Je récupère. Il en faut 50. Et il y a un cadre vide ici. C'est grave bizarre ça. Donc pour l'instant on sait pas trop. Mais je sais qu'il y a 50 trucs roses à récupérer. Ok. Écoutez, on va avancer un petit peu par là. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Je vois qu'il y a une petite maison toute rouillée. Il est là. C'est le vieux rafio qu'on cherchait. Il a un petit air de fossile, mais c'est parce que c'est un ancien modèle. Je suis sûr qu'on va réussir à le faire voler. Essayons de le mettre en marche. Lance-moi sur ce globe là-bas. Et bah écoute, c'est parti. Hop. Très bien. Hop. Ah, et grâce à la lune de puissance, on peut du coup l'alimenter. Ok, j'avais pas compris ça. Ah mais oui, ce sera notre vaisseau. Et du coup, ah oui d'accord, ok, il va nous falloir beaucoup plus de lune en fait, hein. Ça ne démarre pas, on doit manquer d'énergie. Il y a peut-être des lunes de puissance à grappiller dans le coin. Et bah écoute, c'est parti, let's go. Ici, je peux faire quelque chose ou pas? Je peux m'agripper au poteau. Alors attendez, je vais essayer d'aller tout en haut. Est-ce qu'il y aurait pas une petite lune en haut? Non, juste des pièces. On prend, hein. C'est pas fou, mais on prend. Oh, vous l'avez vu ou pas? Il est resté 3 secondes à l'écran. Est-ce que vous l'avez vu? Depuis l'annonce des Mario Odyssey et depuis qu'on est arrivé dans ce monde-là, je cherchais absolument à le trouver, et je l'ai trouvé. Il est juste ici, regardez. Il y a un tyrannosaure, c'est énorme. Et normalement, on peut le posséder. Alors attendez, on va essayer ça tout de suite. Hop, on y va. Mazette, c'est quoi ce monstre? Et bah c'est une très bonne question. On se met là, et possession. Oh là là, alors ça, c'est beaucoup trop stylé. Et du coup, oh mais tranquille en fait. Waouh. Et du coup, on peut défoncer les bombes ou pas? Oui, on peut, on défonce tout, hein. Là, comme ça, concrètement, on défonce absolument tout. Il t'arrive quoi, toi? Toi, il t'arrive quoi? Hop, on va casser ça. Voilà. Oh là, c'est génial! Et franchement, c'est tellement jouissif, c'est excellent. On peut avancer, on continue. On va tout défoncer, hein. De toute façon, on va absolument tout défoncer. Là, il y a un truc, tu dégages. Hop là. Ici, je peux casser quelque chose ou pas? Waouh. Oh, c'est génial! Ça fait une espèce de niveau Mario rétro. Yes, c'est excellent. Alors est-ce qu'il y avait deux trucs à récupérer de l'autre côté ou pas? J'ai pas regardé. Genre là je peux pas y aller, je peux aller qu'en Mario. Là par exemple je peux casser ça. Je peux également casser ça. Et si je fais ça, non je peux pas aller en haut. Est-ce que je peux monter sur mon dinosaure? Non je peux pas. J'aurais bien envie de monter par là mais je sais pas comment on fait. Genre je peux faire, non je peux pas, hein. Bon tant pis, c'est pas grave, repose-toi mon pote, tu l'as bien mérité. Et du coup on va pouvoir en profiter. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté là de la cascade? Oh ok d'accord, donc si je fais, non attends, on va y aller quand même doucement. Voilà comme ça. Et comment je récupère ça? Grâce à la casquette, mais c'est magnifique. Là encore une petite plateforme, hop, on monte là. Par contre ça je peux pas casser, on est d'accord, non ça je peux pas casser. Hop, je mets la petite plateforme, et ici il y avait quoi? Ah, oh, je l'avais pas vu. Voilà, on récupère ça, c'était bien caché. Hop, et du coup nous ce qui nous intéresse c'est par là.
Là, il y avait des trucs à récupérer. Concrètement, voilà. Hop, on les récupère. Voilà. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un espèce de truc de chat. Et je sais pas ce que c'est. Genre, c'est juste un easter egg. C'est un secret. C'est génial. Oh, mais what? Mais oh là, il y a plein de trucs cachés dans le jeu. C'est ouf. Je sais pas en tout cas ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si jamais ça vous plaît. Mais je trouve le jeu passionnant. Genre, vraiment, il est magnifique. Et il y a plein de trucs à faire. C'est trop cool. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Genre, je vais me transformer un petit peu en Mario Retro, c'est ça? Ah ouais, non mais c'est beaucoup trop stylé, hein. Là, clairement, c'est le futur, ce jeu. Clairement. Hop, je récupère tout ça, on se fait plaisir. Je sais qu'il y a le lapin, de toute façon, qui nous attend. Oh non, j'ai fait l'imbécile, je peux pas récupérer ça. Non. Attendez, j'ai peut-être réussir. Oui, c'est bon, j'ai réussi, parfait. Toi, je te défonce. Non. Ok, bon, c'est pas grave, il m'a défoncé. Hop, on casse ça, on passe ici, on casse ça. Et on va défoncer Mademoiselle la Lapine. Hop, je vais juste les récupérer, eux. Je vais casser ça. Non. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Mais dégage, voilà, c'est bon, nickel. Maintenant, on peut passer. Je vais récupérer mon cœur. Ah non, je l'ai déjà récupéré. Bon, très bien, j'ai déjà récupéré. Et à notre tour. Elle est gigantesque. Elle est énorme. Elle est dégueulasse. Elle a trois lunes. Wow. Ça n'arrive pas à faire décoller son épave et ça vient demander la lune. Désolé, petit, mais je ne donne pas mes lunes au premier venu. Et surtout pas de la pâtée pour champ. Elle me dégoûte. Ok, let's go. Est-ce que je peux le posséder ou pas? Ouh, doucement. Ok, d'accord, très bien, ça m'a calmé. Est-ce que je peux le posséder? J'ai enlevé son chapeau. Est-ce que je peux mettre le mien à la place? Oui, je peux. Et là, du coup, je dois faire ça. Et non, allez, allez. Je dois tirer. Et boum. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Superbe. On récupère les petites pièces. On fait plaisir. Doucement, doucement. Non. Aïe. Très bien, ça fait mal. Allez, vite, je le casse. Voilà, j'ai enlevé son chapeau. Je récupère. Et on recommence. Ah non, ah non, non, elle veut taper mon chapeau. Laisse mon chapeau tranquille. Ok, et boum. Ça passe, je continue comme ça. Avant de récupérer les pièces, je vais courir parce qu'elle va me lancer sur moi. Ça va me permettre de l'éviter. Ok, ça passe. Vas-y, envoie. Je casse le chapeau. Je récupère les petites pièces. Doucement, hop, je le possède vite. C'est bon, oui, nickel. Elle est toute rouge, elle est toute rouge, elle me dégoûte. Allez, dégage, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ok, c'est bon, et boum. Voilà, parfait. Et de deux. Je crois qu'il y avait 4 frères et sœurs et de deux. Elle est dégueulasse. Mais je crois qu'il nous manquait 4 lunes pour faire notre vaisseau. Là, on en a que 3. Donc, il nous en manque une dernière. Hop. Yes. On a même une couronne en prime. Est-ce que c'est pas beau? Oh, je l'ai vu, la dernière lune. Vous la voyez ou pas? Je l'ai vu. Vous avez gagné une multilune. Multilune en haut de la cascade. Ok, parfait. On apprécie. Du coup, on retourne devant le vaisseau, c'est ça? Yes, on retourne devant. Chapeau Mario, on a mis la main sur une multilune. Ces petits bijoux ont l'énergie de 3 lunes de puissance. On devrait réussir à faire démarrer notre Rafio avec ça. Non, il va en manquer une, gros. Il va en manquer une. Lance-moi sur le globe. Hop, allez, viens. Fais-toi plaisir. Allez, hop, hop, hop. Ouais, il nous en manque une. Il nous en manque une petite. Je pense qu'il doit y avoir encore des lunes de puissance à trouver. Allons voir. Et oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Elle est par là. Elle est là-bas. Mais comment je l'ai, moi? T'es... Oh, il y a un tuyau qui est apparu. Bah, parfait. Hop. Quelle coïncidence. Nickel. Et la dernière lune qui est super facile à récupérer. Easy. Hop. Parfait. On récupère le drapeau. Et on descend. Et du coup, c'est parti. On va décoller. Ça va être trop stylé, je sens que ça va être trop stylé. En plus le vaisseau dans l'abondance il était magnifique. Je pense que c'est lui du coup. Yes, il est trop beau. L'Odyssée est restaurée. Yes, waouh, c'est énorme comment c'est fait. Du coup on a toute la planète comme ça. On peut aller au Pays des Sables. Allons vite secourir nos demoiselles. Ok, prêt à partir capitaine. Sélectionne Pays des Sables, appuie sur A et zou, on met les voiles. Waouh. Du coup on a le Pays des Sables, le Pays des Chutes et le Pays des Chapeaux. C'est trop stylé. Mais écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'ai vraiment trop kiffé la faire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve le jeu super stylé. Écoutez, je sais pas trop si je vais en faire un let's play ou pas. Je vais voir si ça vous plaît, si ça vous plaît on continue. Sinon on arrête et je vous ferai de temps en temps des petites vidéos par-ci par-là dans les mondes. Parce que moi clairement j'ai séché le jeu. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lâchez le petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire également ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. Ciao ciao tout le monde.